La voici, papa. Soyez la bienvenue. Mon fils va vous donner la liste. Non, donne-leur ça. Donne-leur ça. C'est très simple. Très simple. J'aime rendre les choses très faciles pour tout le monde. Ono Okadibo. Oui. Ça signifie quoi ça? Nous sommes juste venus demander la main de ta fille et non l'acheter. Comment ça? Non, 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 ce n'est pas la vraie liste. Celle-ci, c'est pour l'Assemblée nationale. Dis, va chercher la vraie liste, s'il te plaît. Celle-ci n'est pas la bonne. Mais papa, c'est la liste que tu m'as donnée, non? C'est ça la liste. Laisse-moi voir ça. Check. Mais c'est ça, non? Avec les ignames et 200 à 400 tubercules d'igname et quelques sacs de riz et cette petite somme de 5 millions de naira. Qu'est-ce qui est là-bas? C'est ça la vraie liste? Prenez. 5 millions de naira. Hein? C'est combien 5 millions de naira? Qu'est-ce que 5 millions de naira peut acheter? Ah, à nos jours-ci. Non, ça c'est de trop. Quand même. Hein? Revoyez un peu la liste, s'il vous plaît. Mais je ne comprends pas, moi. En fait, nous ne sommes pas ici pour un budget. Nous sommes ici pour le mariage. Nous sommes ici pour marier votre fille, monsieur. Et alors? Je n'ai même pas ajouté les frais de consultant et l'indemnité de visite. Et vous vous plaignez? Regardez-moi ça. Simple 5 millions de naira plus ces petits articles. Mais c'est quoi 400 tubercules d'igname? Combien de... Je suis le Ono de cette communauté. Si vous êtes là pour épouser la fille de Ono, le premier ministre traditionnel de Eziani. Nai, Okuga Karakao. Akparaka Diodi. Je suis un Abdiroko. On ne grimpe pas un Abdiroko avec les mains vides. Monsieur, je comprends parfaitement votre place dans cette communauté. C'est pourquoi j'essaie de vous éclaircir. Nous ne sommes pas ici pour un festival, pour un budget ou encore moins pour la réunion de l'Assemblée Générale. Nous sommes juste ici pour marier votre fille, monsieur. Donc vous devez un peu baisser les prix parce que 5 millions, c'est vraiment beaucoup. Savez-vous combien de personnes qui étaient venues ici demander la main de ma fille en mariage et je les ai renvoyées parce qu'ils sont pauvres? Et vous vous dites quoi? Ou bien vous êtes l'un d'entre eux? Oui, ma soeur, elle est très chère pour qu'un pauvre homme puisse l'épouser. Vous devez avoir les moyens, vous devez être capable, vous devez avoir assez d'argent avant d'épouser ma soeur. Si vous n'arrivez pas à payer cette petite facture qu'on vous a donnée, comment allons-nous être sûrs que vous allez bien vous occuper de notre soeur? Jetons. Répondez à cette question intelligente venant de mon fils intelligent. Mike, mon fils, allons-y. Vous partez? Papa, papa, ils s'en vont. Ces gens sont des affamés. Hein? Vraiment. Vous êtes venus chez moi manger mes noix de cola. Dieu merci que vous n'aviez pas bu mon vin. Oui, Dieu merci, ils n'ont pas bu du vin. Papa, Betty, je peux faire entrer ces bouteilles, non? S'il te plaît, fais entrer ces bouteilles. Que personne... Qui les a envoyées vers ici même? Ah, moi je ne sais pas, hein. Papa, qui les a même montré la voie? Hein? Comment ils sont arrivés ici? C'est ce que je me demande. Qui les a dirigés vers ici? Qu'ils se méfient, hein? Va m'appeler ta sœur. Eberego. Va me l'appeler. Ils n'ont pas d'argent. Ils veulent épouser une femme. Qui les a même dirigés? Où se trouve Obiaranama? Où est-elle? Elle doit être à l'intérieur. Azuka, où est ta fille? Non. Ça, c'est injuste. C'est beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Juste parce que mon fils veut épouser sa fille? Ben non, c'est quoi? C'est trop. Hein? Quel genre de liste de dot? Mike, je te conseillerais d'oublier cette fille. Et trouve-toi une autre femme de ce village. Oh, oncle, vous ne comprenez vraiment pas là. Je n'ai pas de temps. Un homme pour retourner aux États-Unis est conditionné d'avoir une femme. Et si j'échoue à cette mission, j'aurai de sérieux problèmes au travail. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Eh ben, j'y pense, on ferait peut-être mieux de... négocier, disons que nous avons 1 million. Comme ça, à partir de là, on va savoir comment avancer. Ils veulent que tu leur apportes 5 millions de naira juste parce que tu veux épouser leur fille? Mike, je pense qu'on doit oublier cette fille.
et rentrer à la maison penser à autre chose. Comment peux-tu dire ça, oncle? Oubliez qui, là? Mais dis-moi, où allons-nous trouver cet argent? Non, négocions d'abord avec ces gens-là. Il n'y a rien à oublier. Oubliez quoi? D'accord, si tu veux négocier avec eux, rentrons d'abord à la maison, mettons-nous et voyons ce qu'on va faire. Mike, tu dois écouter ce que ton oncle te dit. Rentrons à la maison, réfléchissons. Hein? Donnons-nous le temps de voir les choses autrement. C'est inadmissible. Allons-y, s'il vous plaît. Rentrons à la maison. Allez, entre. Moi, Deka, écoute ce que ton oncle dit. Allons-y. Donc, c'est pour rentrer à la maison que nous sommes venus. Rentrons d'abord à la maison, on va y penser. La nuit nous portera conseil. Oui. Oui. Allons-y, mon fils. Ça, ce n'est pas mauvais. Ils ne sont pas les seuls qui rentrent chez eux et pensez-y. Si ça va pour eux, ils reviendront. Si ça ne leur convient pas, il y a plusieurs d'autres prétendants. Mais mon mari, ça, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Hein? Pourquoi peux-tu donner une liste très très lourde comme ça, juste parce qu'il veut épouser notre fille? Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qui est scandaleuse de ces simples conditions? Tu es sérieuse, Azuka? Yeah. Ma fille est la reine de la beauté. Mais tu n'es pas contente que notre fille est la reine de la beauté? Hein? Tout homme qui veut épouser ma fille doit prouver qu'il peut prendre soin d'elle. C'est très simple. Qu'est-ce qui est scandaleuse, madame la grammairienne? Ne sais-tu pas que ce genre de choses peuvent faire chasser ce gars? Hein? Que veux-tu avoir dans la vie, dis-moi? Qu'est-ce que tu cherches de ta fille, mon mari? Ce n'est pas normal, ça. Hein? Laisse-moi te demander. Lorsque tu t'es venu m'épouser chez nous, mes parents t'avaient traité de la sorte? Azuka, ne te déshonore pas devant tes enfants. Ne me pousse pas à dire certaines choses. Hein. Comment? Yeah. Oh, as-tu oublié que c'est moi qui ai couvert le toit avec de tôles, hein, de la maison que ton père n'a pas pu achever? Avant de t'épouser, tu as oublié, non? Ne m'insulte pas, où? Ne m'insulte pas, où? Alors, pourquoi tu disais gna 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 quand tu es venu m'épouser? Gna 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 gna. Toutes choses de valeur dans votre maison, je les ai achetées. Tu es un pingre, regarde-toi. Regarde-toi. Pingre. C'est ce que tu es. C'est toi qui me dis ça. Hein, Yamwam. Regarde, regarde. Tu as oublié ce que j'ai investi en toi. Pour que tu sois comme ça et tu m'appelles pingre. Maman, des belles choses sont très chères. S'il veut vraiment épouser notre sœur, qu'il nous prouve de quoi il est capable. Ah oui. Bam. De quel côté es-tu? Du côté de la vérité. Ah, quitte-la, imbécile. Regarde-moi celui-ci, il n'a même pas honte. Tu es le vrai fils de ton père. Hein? Papa, je vais sortir, hein, et je serai là bientôt. Hein? Tinebe, comme d'habitude, comme tu le sais faire. Sortir, chaque fois, tu sors. Va à l'école, non. Apprends à faire le commerce, non. Va faire du manœuvre, non. Pas de problème, mais quand tu sors, que cela t'apporte de l'argent. Ok, que ça soit pour l'argent, rien d'autre que pour l'argent. Chaque pas que tu dois mener dans ta vie doit tourner autour de l'argent. Fais des pas pour l'argent. Des pas pour l'argent. Des mouvements pour l'argent. À tout moment, l'argent. L'argent dont je parle, ce n'est pas l'argent pour acheter ces petits taxis de vilain. Tu as compris, non? L'argent pour des bains. Papa? Pas de problème, pas de problème. Je te rendrai fier. Papa, ne t'inquiète pas de tout ce que maman dit. Tu as raison. Tu as 100% raison. Tel père, tel fils. Essaie de te calmer. Hein? Essaie de te calmer. Tinebe. Hein? Tu vois, Tinebe, tu as entendu ça? Oh, à plus tard. Écoute tes enfants. Maman, et la vie te sourira. Tu dois comprendre que notre... Tu sais, même si eux, ils sont partis, d'autres personnes viendront avec une bonne somme d'argent et des cadeaux de valeur. Egui-goué. Ce n'est pas une question de gérer le pays qu'ils ont. Tout parce que pas nous devenons ici. Oga Michael, je sais que tu n'es pas content de comment les choses se passent dans notre maison. Mais je suis ici pour t'aider. Travaillons ensemble. Et comment comptes-tu arranger ça? Dis-moi. Oui, je vais aller convaincre mes parents afin qu'ils réduisent les prix pour toi. Intéressant. Si tu peux faire ça, je serai vraiment très reconnaissant. Mais ça ne va pas être facile, hein. Ça ne va pas être facile. Hein? Tu vas me donner un peu d'argent afin que j'achète un cadeau pour ma sœur. Eh ben,
Acheter des cadeaux à ta sœur n'est pas du tout le problème. Je peux très bien lui en acheter, moi. Non, non, non. Tu vas me donner de l'argent. Comme ça, je vais lui acheter les cadeaux à tout moment. Pourquoi? Je veux dire, c'est moi qui vais l'épouser, bien sûr. Je ne peux manquer à lui donner des cadeaux. Et pourquoi suis censé passer par toi pour les lui faire parvenir? Comme notre coutume l'exige. Notre père est le Onoo, le premier ministre dans ce village. Et parlant d'une demoiselle, l'épouser sans faire les premiers pas proprement dit, c'est du sacrilège. Et ça va même te coûter encore plus d'argent que ce qui a été mentionné dans la liste qu'on t'a donnée. Je te dis la vérité, je suis sérieux. Hein? Je suis vraiment sérieux. C'est la tradition de chez nous. Ok, bro, je suis aussi de ce village et c'est la toute première fois que je puisse entendre une telle chose. Mais c'est bon, c'est sûrement ça ton plan. Alors, si tu veux, donne-lui ses cadeaux toi-même. Moi, ce que je veux, c'est que tu puisses faire ce que tu as dit, ok? D'accord. J'aime ta sœur et je veux l'épouser. Si tu peux m'aider à accomplir cela, je serai vraiment très heureux, ok? C'est pourquoi je suis ici, pour t'aider. C'est parfait. J'aime aider les gens. C'est parfait. Bien. J'aime aider les gens. Ok, il n'y a pas de problème, mon frère. Juste, fais très bien ce que tu as dit, ok? Faisons-le bien. Voyons, il faut combien ici? J'espère que c'est suffisant. Ouais, ça va. Avec ceci, on peut commencer à travailler sur les choses. Hein? Que ça soit notre petit secret. Que ça ne va pas dehors. Hein? Tu comprends ce que je dis, non? Voilà, je t'aide, tu m'aides. Afin que les choses marchent comme il faut. Hein? Je vais m'en aller. Avant qu'on ne commence pas à me chercher à la maison. Maman, s'il te plaît. Bien, attends-moi 2 minutes. J'arrive tout de suite, ok? Mike, maman? Ça, ce n'est pas le fils de Wakadiko? Oui, c'est bien lui, maman. Même moi, j'étais choqué quand je l'ai vu arriver, mais... Il a dit qu'il n'a pas non plus aimé la façon dont son père m'a traité. Voilà pourquoi il a décidé de m'aider à parler à son père pour me permettre d'épouser sa sœur. Donc... Et ça, c'est très gentil alors. Oui, oui, vraiment. Mais mon fils, est-ce que tu as confiance en lui? Bien, croire ne serait vraiment pas le mot, maman. Je ne crois pas qu'il... je pense qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour sa sœur et c'est un peu ça. Ok, laisse-moi t'apporter un. Non, non, maman, c'est bon, je vais bien. Je n'ai pas le temps de manger en tout cas. Je viendrai manger plus tard, ok? Mon fils. Ma jolie fille. Hey, regarde tes cheveux. Tu es une diva. Ma rayon de soleil. Maman. Enenebuko. Ebueu. Non, maman, pardon. Parle plutôt de vache et non de chèvre. Arrange ça. Ok, c'est bon. Et Nenebuko, et Bwekao. Kilokinyache, genre une vache. Ma fille, je suis très fière de toi. Viens dans mes bras. Oh, ma fille. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Je t'aime aussi, maman. Oui. Maman, continue à être fière d'elle. Ta façon là de toujours avantager Onguliako et la féliciter à chaque fois va lui causer énormément du tort. Ça va l'induire à l'échec. Bossa, pourquoi parles-tu de cette façon? Pourquoi as-tu toujours été jaloux de ta propre petite sœur, ton sang? Je ne suis pas jaloux. Elle est la plus jolie de toutes les jeunes filles de ce village. C'est pas faux, maman. Elle est plus jolie que toutes les filles de ce village. Voilà pourquoi elle doit se marier. Après tout, elle ne se rajeunit pas. Me marier? Je veux me marier. Je veux me marier. Mais à un homme très riche. Cette affaire encore de l'homme riche. Tu dois te marier à un homme riche. Où est-il? Où est-ce qu'il est cet homme riche? Possiblement à l'enfant de la reine d'Angleterre. Tu as entendu? Tu ne fais que dire ça. Va te marier. Je ne veux que ton bien. Maman, tu vois, tous ces louanges-là vont l'induire à la perdition dans sa vie. Je vous aurais averti. Bon ça! Prie ton Dieu de te garder en vie pour que tu vives mon mariage. Parce que ce sera un mariage top du village. Je dis bien tout le village. Ignore ton frère, maman. Maman, non, il exagère, hein.
Pourquoi est-ce qu'il parle beaucoup comme une femme enceinte comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça, il exagère? Ma fille, au lieu de perdre le temps avec Bossa. Pourquoi est-il jalouse de moi? C'est bon, ma fille. Suis-je ton ami garçon? Ça suffit, ma fille. Te dérange pas. Maman, s'il te plaît, je vais me laver maintenant. Hein? Alors, de l'eau chaude ou froide? Laquelle tu veux? L'eau chaude. Non, maman. Que ce soit un peu tiède. Tiède? Comme ça, je vais essayer de bien me laver. Considère que c'est déjà fait. Je reviens tout de suite. Pas troublé par ce que Owakaduko a dit. Mon fils, si réellement cette fille t'est destinée, par la grâce de Dieu, tu finiras toujours par l'épouser, coûte ce que coûte. Elle sera à toi et tu iras avec elle à l'étranger. Relax, laisse-moi te donner maman, à manger. Maman, pas la peine, je vais bien. Oui. Tu sais, le fait pour moi de penser à elle me suffit largement. Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée. Ok, pardonne-moi. Laisse-moi commencer par te dire mon nom, d'accord? Mon nom est Mike Uchendo. Je viens du village des Yan. Et toi? Mon nom c'est Obiaranama. Obiaranama Okadibo. Je suis de cette communauté. Obiaranama. Quel magnifique prénom. Merci. Je t'en prie. Ton nom m'a l'air très, très familier. Okadibo. C'est parce que mon père est le nom de cette communauté. Oh, oui, c'est vrai. Waouh, le monde est vraiment petit, hein. Obiaranama. ça te dérangerait si je pouvais avoir ton numéro, comme ça on pourrait garder le contact et puis... Je pars à l'église. Ok, à la prochaine alors, j'espère. Waouh, Dieu est vraiment merveilleux. Je crois que je viens de voir la femme que je vais épouser. J'ai vu la femme que je veux épouser. Malgré le fait qu'elle soit trop religieuse. Waouh. Le fait de la voir m'avait rendu heureux, maman. Cette fille a tout ce que je veux avoir chez une femme. Elle est décente, elle est humble, et par-dessus tout cela, elle craint Dieu. Maman, n'est-ce pas toi qui m'as dit que malgré tout ce que je fais dans la vie, je devrais toujours me battre pour quelqu'un qui aime Dieu? Maman, cette fille aime Dieu. Et la seule chose que j'ai en tête maintenant, c'est de la rendre mienne. Mon fils, tu as toujours eu des commentaires positifs sur ta soi-disant prétendante. Je prie que Dieu vraiment les réalise pour toi. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ok. Bien, laisse-moi finir ce que je faisais, maman. Pourquoi tu t'es rendu là-bas sans moi? Je veux établir la relation d'abord. De quelle relation stupide tu me parles? Écoute, je veux qu'il ait l'impression qu'on le soutient. En faisant cela... On lui soutiendra de l'argent. C'est une question d'argent. Es-tu sûr qu'il va céder à nos caprices? Écoute, on va lui faire croire qu'on travaille en son intérêt, que nos parents seront bientôt convaincus, en lui donnant Obiaranama pour qu'il l'épouse. En faisant cela, on va lui soutirer l'argent, beaucoup d'argent. Tu as vraiment raison. Tu sais que papa n'est pas prêteux. Une fois qu'ils auront payé la dot, papa ne nous donnera rien du tout. J'aime beaucoup ma sœur. Je n'aimerais pas voir mon unique sœur avec un autre homme. Je ne veux pas qu'elle se marie et qu'elle nous quitte. Écoute, frère, je ne peux pas te mentir. Tu dis ce que je pense. Tu comprends. Mais écoute, c'est pourquoi nous allons jouer double jeu. Avec lui et avec papa. Hein? Laisse-moi te montrer que ça va marcher.
Chineke, où as-tu eu cet argent? Voici VM. 20 000. 20 000 Nera. C'est Mike qui m'a donné cet argent. Chai, je suis d'accord avec toutes tes stratégies. On fait équipe. Tu es mon frère. Écoute, hein? Je vais te donner 5 000. Écoute, je vais prendre la grande partie en tant que le cerveau. Partage 50-50. Non, je vais te donner, je vais te donner 5 000. 50-50. Attends. Obiaranama, où est-ce que tu vas? Je pars puiser de l'eau. Est-ce que tes frères n'ont pas puisé hier nuit? Papa, je dois laver mes habits. Menteuse. Tu veux prendre ça comme excuse pour aller rencontrer ce bon à rien du garçon et Ezebilo? Ce n'est pas ça? Obianama, pourquoi tu veux te laisser manipuler par le diable? Papa? Ne m'appelle pas papa. Ne m'appelle pas papa. Quand moi je me bats dur pour toi afin que tu épouses un joli garçon plein d'argent résidant aux États-Unis, qui prendra bien soin de toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas de gauche à droite en marchant pien avec ce pauvre garçon. Et c'est vilain ou Ezebilo. Papa, je ne pars pas rendre visite à qui que ce soit. Je pars puiser de l'eau pour mes amis. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui. Je t'attends ici, hein. Si tu ne reviens pas ici dans 10 minutes, tu auras des problèmes. Bonjour. Comment tu vas, ma chérie? Je vais bien. Où est-ce que tu vas? Je pars puiser de l'eau. D'accord, je suis ici, ok? Oui. Sois la bienvenue. Merci. Ah. Olonem, ma sœur. Azigo, bonjour. Ah, bonjour ma chère. Je pense que tu vas bien. Est-ce que tu vas bien? Je suis venue te parler. Ah, ok, je t'écoute. Ou bien on doit aller à l'intérieur. Bébé, allez. Je t'en prie, bébé, réponds-moi. Hein? Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mon amour. Allez bébé, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ceci. Je n'aime pas la façon dont ton père me traite. Ton père me traite comme si je suis un vaurien, si je suis le seul homme pauvre dans ce village. Hein? Pourquoi ton père me demanderait-il de payer une somme exorbitante de 5 millions de naira parce que je veux me marier à sa fille? Hein? Où est-ce que cela se fait? Veut-il que j'aille voler? Où trouverai-je cet argent? Calme-toi. Allez, apaise-toi. Sois calme. Relax, bébé. Écoute, on devait normalement en parler calmement. Qu'est-ce que nous devons faire? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je pense que la seule chose que je puisse faire en ce moment est d'annuler ces fiançailles. Ouais, je dois annuler les fiançailles. Je n'ai même pas jusqu'à 500 000 naira sur mon compte. Je ne suis qu'un simple coiffeur villageois. Bébé, mais comment tu peux me dire ça? Tu as promis de m'aimer pour toujours, rappelle-toi. Tu m'as promis que tu seras toujours là pour moi. Alors comment peux-tu me balancer ces horreurs? Écoute, je crois qu'on peut toujours trouver une solution à propos de ces problèmes. On peut toujours continuer à être ensemble. Ceci ne marche pas. Je suis désolé. Je ne peux pas t'épouser. Ça va marcher. Ça marche déjà. D'ailleurs, je vois le futur. Les choses vont marcher. Voir quel avenir, ça ne marche pas. Bouillo, pitié, je t'en prie, ne me fais pas ça. Arrête de pleurer. Je suis aussi confus comme toi. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette situation? Nkasi. Donc, ma femme m'a dénoncé à toi. Hein? Et tu l'as écouté. Vous deux, vous avez oublié que je suis le Ono, le premier ministre traditionnel de Ezeani. En fait, le seul décideur maintenant. Jusqu'à ce qu'un nouveau Igwe soit intronisé. Vous avez oublié ça? Peux-tu t'entendre très bien? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as chassé Okechukwu. J'ai emmené Uzona moi-même, tu l'as encore chassé. Ezebilo est venu, le pauvre garçon, tu l'as encore chassé. Pauvre,
pauvre garçon. L'Américain qui est venu cette année, tu l'as encore chassé d'ici. Si tu avais reçu la liste que tu as donnée à ce gars, avec qui épousé ta femme, laisse-moi te demander. Est-ce qu'il ne va pas avec toi? Est-ce que Mobo était un ou non? Mobo, est-ce qu'il était? Est-ce qu'il est le premier ministre traditionnel? Chaque liste que je donne convient parfaitement avec ma position, avec ma dignité. Cela reflète qui je suis. Si tu veux épouser ma fille, tu dois te soumettre à cette liste. Qu'est-ce qui est difficile de comprendre là-bas? Qu'est-ce qui est difficile de comprendre, Nkati? Hein? Cette liste est très grave. C'est très énorme. Rabaisse-toi, fais quelque chose à propos. Regarde-toi comment, qu'est-ce que tu fais. Essaye un peu de te calmer. Laisse la pauvre fille passer du temps avec l'homme de sa vie. C'est la raison de ma présence ici, s'il te plaît. Je suis le premier ministre traditionnel de ce royaume. La position que tu as reçue en vendant toutes les terres de nos parents comme ça. Est-ce que c'est pour toi? C'est pour toi? C'est Est-ce que ça a d'importance? C'était pour notre père. Ça n'a pas d'importance. Va vendre pour ton mari. Le plus important est que je suis le Ono. Laisse-moi te demander. Si ma fille épouse ce gars des États-Unis maintenant, quelle autre chose je vais gagner en dehors de ce que j'ai déjà? Quelle autre chose? Si elle accouche, c'est ma femme qui ira pour Omugo. Et je serai à la maison. Et quand elle sera de retour, elle reviendra avec une bouteille de fort pour que je boive et que je meure. Ce n'est pas ça? Je ne mourrai pas. Tout ce que je veux, je veux ça maintenant. Et quand je meurs, qu'à Dieu ne plaise. Un bon à rien d'MC viendra ici pour annoncer. La fille de Madame Azoka Okadigbo et le défunt, moi je deviens défunt. Moi, défunt. Hey! Oh maman, c'est comme ça un MC viendra m'appeler le défunt. Okadigbo, écoute-toi très bien. Laisse la pauvre fille se marier. Laisse-la se marier à l'amour de sa vie. Pourquoi est-ce que tu compliques? Nous devons être confiants. Et notre amour gagnera cette bataille. Pitié, je t'en supplie. J'ai une idée. C'est vrai? Que tes parents n'aient pas le choix que de me permettre de t'épouser. Laisse-moi te mettre enceinte. Jamais de la vie. Oui, nous, jamais de la vie. Je ne tomberai jamais enceinte d'un homme qui n'est pas encore mon mari. Ça, c'est un tabou. C'est un pire tabou. Obi, qu'est-ce que tu fais avec ce pauvre qui ne sait même pas s'occuper de... Tu ne m'arrête. Arrêtez quoi? Hein? Ezebilo n'est pas bon pour toi. Tu as été averti de cesser de faire quoi que ce soit avec lui. Papa va attendre ça. Papa sera au courant. Qu'on ne m'arrête, s'il te plaît. Pourquoi tu parles de la sorte? Vous devez arrêter avec ça. C'est quoi votre problème? Arrêtez quoi? Tu as toujours le courage de parler. Nous n'allons plus monter, mais quelque chose est certain. Papa doit apprendre ça. Tu es encore ici avec lui. Papa devra... Tu es encore ici avec lui, non? Papa, t'inquiète même pas. Tu es encore ici avec lui, non? Tu es encore ici avec lui, non? C'est que tu es mon frère. Allez, c'est plutôt toi qui devais me comprendre. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je ne dis rien. Quand tu seras à la maison. Tu es ma soeur. Viens à la maison, non? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller dire cela à papa. Mais je ne dis rien pour le moment. Viens à la maison. Tu es encore ici avec lui, non? Tu es encore ici avec lui, non? Et Zébiro? Tu vois ce que je disais? Tu vois ce que je disais? Même tes frères me détestent. Tu n'as pas pu te tenir pour leur dire que tu m'aimes. Tu n'as plus rien dit. Tu n'as même pas pu me défendre. Tu ne faisais que les supplier. Allez, toi aussi, bébé. Calme-toi. Pourquoi tu aimes crier? Hein? C'est pas bon. Bébé, tu dois savoir que c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Mes mains sont liées. Mes mains sont également liées pour donner à ton père tout ce qu'il demande de moi. Juste parce que je veux t'épouser. Willow. Ana loin. Ego. Ana biendo. Ego. Ana rife. Ego. Ego amaka. Ego. Ego jola. Ego. Ego amaka. Ego. Ana loin. Ego. Ana tagra no. Comme toujours. Eh, ne bouge pas. Je dis ne bouge pas.
Depuis quand as-tu perdu tes sens pour nous voir et ne pas nous saluer comme ça? Tu ne sais pas que notre père, le Honoru, sera bientôt le roi. Et pour cette raison, nous méritons de recevoir tout le respect. Tu ne sais pas? Laissez-moi tranquille, les gars. Je veux pas de problème, oh. Je veux pas de problème. Et d'ailleurs, on ne salue pas les gens par force. Viens ici. Comment oses-tu nous parler de la sorte? Idiot. Laissez-moi tranquille, oh. Laissez-moi. N'es-tu pas au courant de ce qui se passe? Un autre bel homme est venu de l'Amérique pour demander la main de la fille de Honoru en mariage. Mais il a mis le mec à la porte à cause de 5 millions de naira qu'il demande à tous les hommes. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Pourquoi est-il devenu l'ennemi du progrès de sa propre fille? Je ne le blâme pas. Il profite de sa position de Honoru pour intimider les gens. Notre communauté doit d'abord organiser le funérail du roi. C'est rien qu'en ce moment qu'on peut couronner un autre roi. Oui, tu as raison. Hé, hey, Omungwa. Asa. Un bel ange. Je te salue, joli bébé. Mon amour, ne touche pas. Qui est ton amour? Une petite somme de 5000 naira, tu es incapable de me le donner. Allez, laisse-moi. Mazik aussi. L'argent n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Cela n'a jamais été un problème. Personne n'a vu. Nous sommes juste reculés pour bien sauter. Maintenant, nous sommes de retour. Chidebe, prends-la une vue. Kokuta non nommé. C'est 5000 naira. Tu m'avais demandé 1500, mais c'est 5000 que je t'ai dit. Oui. C'est 5000 naira. Ok? Je ne m'attendais pas, merci. Alors, tu vois que je n'avais pas fui. J'étais juste allé me ressourcer, car toi, vraiment, tu mérites beaucoup. Mais oui. Tout le fait. Tu vois ça maintenant, non? Calme-toi pour moi. Nous savons ce que nous faisons. Tu es un amour. Je ne suis pas assez bonne pour toi. Ne suis-je pas jolie? Que toutes ces filles qui te courent après? Écoute. Le seul moyen pour moi de répondre à ta question, c'est quand tu demanderas un baiser. Oh, donc tu veux un petit baiser? Oui. Allez, approche. Tu vois, un bisou, ça me fera du bien. Aïe! Chidebe, tu as encore de l'argent sur toi? Oui, bien sûr. J'ai encore assez ici. Essayons de chercher un restaurant et on va laisser défouler un peu. Oui, c'est une bonne idée. Par ici. Oncle, ce pays est vraiment foutu. Peux-tu imaginer que j'étais au marché pour demander les prix de certains trucs que j'aurais besoin pour ma femme. Et j'ai trouvé là-bas que 1 kilo d'igname vaut maintenant 700. Maintenant, multiplie les 700 du fric fois 4 kilos d'igname. Mais j'aurais besoin de toute une banque. As-tu vraiment besoin d'aller vers tout ce stress? Tu es allé au marché et tu t'es rendu compte que les prix des articles ou quelques articles se trouvant sur la liste de la dot sont très élevés. Dis-moi alors, que comptes-tu faire? Oncle, je ne sais pas. Je veux dire, personne ne sait. Moi, je sais. Annule le mariage et trouve-toi une femme dans une autre famille. Je peux t'aider pour en trouver une. Bien, je comprends que un Africain ne comprend pas ce que être amoureux veut dire, n'est-ce pas? Mike, ce travail dont tu m'as parlé aux États-Unis, ils ont besoin d'un homme marié à ce poste-là. Ton salaire est de combien? Ton visa et celui de ta femme coûteront combien? Et combien vas-tu dépenser pour prendre soin de ta femme? Mike, fils d'Uchenjo, j'aimerais que tu réfléchisses. Le fait est que je n'arrive même pas à bien réfléchir parce que je suis amoureux de cette fille, oncle. Vous ne pouvez pas le comprendre. Alors, je te suggère de faire un repas d'amour et le manger. Oh oui, c'est ce que tu veux. Vas-y.
Je le ferai. Michael, je prends maintenant en considération ce que ton oncle avait dit. Parce que c'est évident que cette demande de Honoru, c'est tellement énorme qu'on ne saura pas le faire. Donner 5 millions pour épouser sa fille. Pourquoi tu ne trouves pas une autre fille? Et épouse-la. Hein? Il y a pas mal de filles qui sont aussi belles là dehors. Hein? Maman, est-ce que tu arrives à t'imaginer comment je peux avoir peur? Ou as-tu juste une fois pensé comment ma vie serait si j'épousais une fille que je n'aime pas? Hey, ne me parle pas de l'amour. Que sais-tu de l'amour? C'est moi qui vais t'apprendre ce que c'est l'amour. Puisque je vis l'exemple de l'amour aujourd'hui. J'ai épousé ton père quand il est revenu directement en mission en Somalie. Alors qu'on ne s'était pas encore vus. Mais on a appris à vivre ensemble et dans l'amour. Avec le temps, nous nous sommes tellement aimés que personne ne pouvait aller vivre loin de l'autre. Jusqu'à ce que la mort l'a enlevé à mes côtés. C'est pas toi qui vas m'apprendre l'amour. Tu ne comprends toujours pas, maman. Je crois que je devrais garder ça pour moi-même. C'est le mieux à faire. Je dois juste le garder pour moi seul. Ok, tu peux le garder comme tu veux. Mais la seule solution à ces problèmes, c'est de te trouver une autre fille. Trouve une autre fille épouse-la pour sécuriser ton travail en Amérique. Et tu as lu Luzi, ok? Et tu as lu Luzi, ok? Maman, c'est bon, s'il te plaît. Voici une femme dont la beauté brille comme le soleil matinal du Moyen-Orient. Voici une femme dont la beauté brille comme l'étoile du matin. Voici la plus belle de toutes les demoiselles de ce village. Voici la beauté de toutes les beautés. Pardon. Tu ne sais que parler en prière? Pas présentation. Je m'appelle Ezebuilo. Et je dois confesser que depuis que j'étais né, je n'ai jamais vu une femme aussi belle comme toi. Et s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, j'aimerais être ton ami. Tu es le seul homme qui a remarqué ma beauté dans ce village, hein? Et je le reçois avec beaucoup de respect. Et pour cela, je pense que tu t'es donné l'opportunité d'être mon ami. Ne me touche pas, tu es malade. Reste là, je suis en train de te parler. Ne me touche pas. Bien, s'il y a une partie de mon corps que tu es permise de toucher, ça sera à mes pieds. Oh, avec plaisir. Non, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Bam, je te laisse. Comment peux-tu dire ça? Hein? Cela veut dire que tu n'as jamais aimé ma sœur? Mon frère, toi aussi, hein? Je ne te comprends pas.
Le truc, c'est que je n'ai pas le temps. Je fais ça juste pour me libérer, trouver, disons, partir. Et continuer avec mon job. Écoute, hein, je vais convaincre toute ma famille. Je vais convaincre toute la famille. Ce n'est pas mon frère ici. Hein? Il est prêt pour me soutenir afin que je t'aide. C'est pourquoi nous sommes ici. Je ne voulais rien dire avant. Mais je dois te dire que ton oncle n'est pas un bon homme. Il sait que tu ne vas pas aimer une autre femme. Mais il ne veut pas que tu sois à côté de ma sœur. Es-tu sérieux? Oui. Alors que pense-t-il gagner? Tu ne vas pas te marier. Tu vas perdre ton emploi américain et tu seras au même niveau que ses enfants. Oui. Vous n'êtes pas sérieux. Vous devez sûrement être en train de commettre une erreur parce que je n'aurais jamais pensé cela de vous. Mazik aussi. On n'a pas besoin de vivre avec lui pour connaître ses intentions. Hein? Ça, c'est l'essence de l'intelligence de chez nous. Nous l'avons. La prochaine stratégie est de gagner le cœur de ma sœur et de ma mère. Papa sera devant un fait accompli. Il n'aura plus d'autre option que de te laisser épouser ma sœur. Isabelle, s'il te plaît. Hein? Comment veux-tu que je te démontre mon amour pour toi? Pour que tu me donnes ton attention. Isabelle, je t'aime. Je ne rêve que toi. Non. Arrête cette connerie. Que veut dire tout ceci? Hein? Suis-je le seul homme qui est beau dans ce village? Écoute-moi, je ne t'aime pas. Je ne te veux pas. Et je ne veux même avoir rien à faire avec toi. Écoute-moi, laisse-moi te dire quelque chose. Je vais me marier très bientôt. Ah! Ok, tu as les 5 millions de naira que tu veux dépenser pour Obianama. Si tu veux, on peut utiliser cet argent pour rester ensemble. Hein? Laisse-moi te dire quelque chose que tu ne connais pas. Hein. Même si je n'ai pas cet argent, je ferai tout ce qu'il y a de mon mieux en tant qu'un homme pour épouser Oguliaku. C'est elle que j'aime. C'est pour elle que mon cœur se bat. Et c'est avec elle que je veux passer le reste de ma vie. Laisse-moi tranquille. Ah ah! Que veut dire ceci? Non, hein? Cette paresseuse-là va te tuer. Tu ne connais pas. Je préférerais mourir dans les bras de ma belle femme, Ngoliaku, que d'avoir quelque chose avec toi. Qui ne te connaît pas dans ce village? N'es-tu pas au Kounou? N'es-tu pas au Kounou? Ah ah! Toi que certains hommes tirent à droite et d'autres à gauche. Tu ouvres tes jambes à aujourd'hui et demain c'est à B. Tu veux maintenant coucher avec moi afin de m'infecter, n'en déplaise à Dieu, prostituée que tu es. Je ne veux pas un derrière public. Je ne veux pas un roucou communautaire. Je ne veux pas un roucou de tout le monde. Ce que je veux, c'est un roucou privé. Roucou que je veux avoir tout seul. Ah ah, fille que l'on tire par-ci et par-là. Akuna kobo kobo. Non, étant le fils unique, tu veux m'infecter afin que je meure. C'est ce que tu veux, n'en déplaise à Dieu. Tu veux me tuer? Jamais. Ton plan a échoué. Quand il va nous donner cet argent, mon frère? C'est la fête. C'est la fête. Ah, les enfants de notre Ono, je vous salue. Garde ta salutation pour toi-même. Et quand est-ce que tu as commencé à nous saluer? Ah ah. Hein? Est-ce qu'on se dispute? Hein? Oh, ok. Je suis désolée. Si seulement je vous avais quelque chose de mal. En tout cas, excusez-moi. Oh, ok. Qu'est-ce que tu veux? Je vous ai vu avec un très bel homme. Qui est-il? Tu veux dire Mike? Mike? Ah, je ne sais pas son nom. Il est notre ami, non? Oui. Un partenaire d'affaires. Oui. Nous sommes ses managers. Oui. Et il est notre boy. Nous le contrôlons dans ce village. Vous contrôlez tout, oui. Hein? Y a-t-il un problème? Bah non. Pourquoi même? Je le veux. Comment ça tu le veux? Dans quel sens? Je le veux. Écoutez, je l'aime énormément. Lorsque je l'avais vu avec vous, mon cœur avait tremblé. Hein? Moi aussi ça. Autant qui s'aimait. Tu n'as jamais rencontré ce gars et tu l'aimes déjà. Ah, s'il te plaît. Tu ne vas pas comprendre. Ton cœur a-t-il une poubelle? Dis-moi un peu. Je l'aime beaucoup, hein? Je l'aime de tout mon cœur. Biko. Et si tu veux le voir en live, face à face, ça te coûtera une grande somme d'argent. Une somme d'argent, une grosse somme d'argent. C'est vrai ça? Ah oui? Juste l'argent. Oui. Hey, ça c'est pas un problème, non? Hein? Tout ce que vous allez demander, tant que c'est pour mon propre bien.
N'importe quoi. Je vais le faire pour vous. N'importe quoi. Oui, je parle de tout. Ok, attends un peu. Je suis venu vous avertir. Dites à vos fils de rester loin de mon fils. Vous aurez dû voir ce qu'ils ont fait à mon fils. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour le traitement de mon fils. Hein? Donc, tu es venu ici pour se plaindre à propos de ton fils ou me demander de l'argent? Lequel? Oh non, je suis venu récupérer mon argent. L'argent que j'ai dépensé pour le traitement de mon fils. Arrête, tu la fermes là-bas. Quel argent? Quelle est la preuve du traitement? Où est la facture? Quel hôpital? Hein? Oh non. Tu penses que je suis quelqu'un chez qui tu peux venir et commencer à parler? Nya 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 nya. C'est ce que tu penses? Hein? En tout cas, juste rentre chez toi et prendre soin de ton fils. C'est mieux pour toi. Au cas contraire, je vais appeler mes gardes pour te faire sortir de mon palais. Palace? Oui. J'aurais dit palace? Oui. Je suis le Igwe intérim de cette communauté, si tu ne le sais pas. Jusqu'à ce qu'un autre Igwe soit intronisé, je suis tellement concerné par tout ce qui se passe dans cette communauté. Ça ne peut être que moi. Donc tu peux en train de parler à Igwe sans le savoir. Maintenant, sors de ma maison. Sors de ma maison. Je vais m'en aller. Mais avertissez vos fils. Avertis-les. Si je te vois encore venir dans cette maison avec un tel sujet, tu verras ce que je te ferai. De n'importe quoi. Regardez comment elle marche. Mlaka. Ma jolie fille. Maman. Au moment ça. Et nénébé, Djeolo. Voyez-moi sa hanche, sa poitrine. Maman, une taille bien faite. Une taille bien faite. Tu es très jolie. Maman, je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Allez, papa t'a mis dans l'eau. Devi la pâte ni goukoukou. Hey, namé la pâte goukoukou. Je suis très fière de toi, ma fille. Maman, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Et qu'est-ce que tu es venu faire chez moi avec un bidon rempli d'eau? La chose est que tu as une très, très belle fille. En réalité, la fille est la plus jolie de toutes les demoiselles de la communauté Igbo. Et ainsi, une belle fille comme elle n'est pas permise de se stresser pour une quelconque raison. Ayant dit ça, moi et Zebinou ai pris la responsabilité de l'aider dans toutes les activités domestiques. La seule chose que je veux qu'elle fasse est qu'elle se repose suffisamment sans se stresser pour une raison quelconque. Si je peux demander... Que veux-tu dire par là? Puiser de l'eau, chercher les bois de chauffage, cuisiner, balayer la cour. Mais en fait, je peux venir chaque matin pour te donner la douche. Ce qui est important est que ne te stresse pas. C'est incroyable. Ogonia, ma fille, tu t'es trouvé un ami très sage. Maman, où sont les autres bidons? Je veux vider celui-ci pour aller puiser plus d'eau. Tous les bidons dans cette maison doivent être remplis aujourd'hui. Et Zébilo est arrivé. Vraiment? Il y a un récipient vide juste derrière la maison. D'accord. Remplis-le avec de l'eau. D'accord. Maman, une chose de plus. Maman, tu parles et tu l'appelles Ngoliaku. Ngoliaku, maman. Ngoliako sonne trop local pour une jolie demoiselle comme elle. Biko, je propose qu'on change son nom de Ngoliako en un nom plus doux, en un nom plus somptueux, comme Ngomami Wata. Hey! Reviens ici. Ngwa mami watam. Non. Hey, recule là-bas. Recule. Encore. Tu es un peu proche. Recule encore. Et puis tu es en train de me regarder. Recule. Veux-tu entrer dans ma bouche? Reste là. Oui.
Bien, je viens de me rappeler que j'ai des vêtements qui sont sales. Alors ça doit être nettoyé. Alors j'aimerais que tu puisses le nettoyer. Donc tu veux que je t'aide à laver tes habits? Non, t'aider toi-même. Ok, en réalité, laver les habits est mon moyen de survie. C'est mon métier et mon loisir. Où sont les habits sales? Je veux commencer immédiatement. Recule et va là-bas de l'autre côté. Là-bas. C'est mon loisir, c'est mon moyen de survie. Où sont les habits sales? Va renverser de l'eau dans le récipient vide derrière la maison. Non, mais il n'y a pas ta main, Godo Gonko. Maman, c'est pourquoi? Pourquoi tout ça? Voyez-moi ce type. Mon Dieu! Attentivement. Qu'est-ce que c'est? De l'argent. L'argent, monsieur. Ego. Quel est ce genre d'argent? Quel est ce putain d'argent? Vous appelez ça argent? Hein? Obaka, Chimo, monsieur, vous appelez ceci argent? Hey. Donc, vous voulez me dire que c'est tout ce que vous pouvez collecter auprès du conducteur du camion qui extrait du sable de la rivière? Notre rivière que je contrôle. Tu vois, hein? C'est ce qu'on a pu obtenir. Juste ça. Répondez-moi. Oh non. Honnêtement, les gens ne viennent plus à notre rivière pour prendre du sable. Hein? Ils partent maintenant à Batete. Je le jure. C'est ça? C'est oui. Ça. Les camions ne viennent plus vers notre rivière. Ils vont maintenant à Batete. Oui. Vous êtes vraiment stupide. Vraiment stupide. Oui, ne savez-vous pas que quand j'ai votre âge, je contrôle les camions. Je contrôle les gongolos. Jusqu'à Ouguassa, j'ai contrôlé les bus de transport. Quand les bus de transport sont venus à Kennedy et Tuku, je les ai contrôlés. J'étais apprenti. Je connais tous ces petits jeux. Toutes ces bêtises. Faites sortir mon argent, mes amis. Ne me parlez pas comme ça. Oh non, s'il te plaît, nous ne mentons pas. Nous ne sommes pas des menteurs. Oh oui. Nous disons la vérité. Oh. Si tu sors aujourd'hui, va demander à Menike. C'était pas facile aujourd'hui. Oui, si demandez-lui. Si tu vas le bagarre aujourd'hui, je te jure. C'est pas que nous sommes forts, capables et robustes. On n'aurait pas pu obtenir cet argent. Formidable. Désolé. 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 Je ne veux pas que quelqu'un vous tue. Vous tuez pour vos mères, je ne veux pas ça. Très bien, alors. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que, comme vous êtes incapable de faire le travail, et je ne veux pas qu'il vous tue pour vos mères, vous allez cesser de faire le travail. Non. Je vais demander au leader des jeunes de me fournir des gars très courageux et qui sont prêts à faire le travail. Non, c'est ce qui va se passer. Nous avons du courage. Non. Vous ne voulez pas, non? Vous ne voulez pas vous battre, non? Ono, s'il te plaît, Ono, s'il te plaît. Tu vois, nous allons tout rassembler. Nous allons rassembler toutes nos contributions. Nous allons débloquer plus. Nous allons faire plus d'efforts. Nous sommes capables. Nous allons faire plus d'efforts. Ono, s'il te plaît, n'appelez pas notre Vous pensez que vous parlez à votre camarade? Allons essayer. Donne-lui. C'était sérieux. La bagarre c'était fort. Je vois. On ne m'a pas. Ok, donne-lui. Pas de problème. Ono, c'est quoi ça? C'est de l'argent, non? Mais non. C'est quoi ça? S'il te plaît, non. Laisse-moi voir ta main. Laisse-moi voir ta main, mon ami. Je vais vous renvoyer appeler d'autres personnes. Je vais. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Non, laisse-moi. Donne-moi ça, mon argent. Ça, non. Donne-moi mon argent. Regardez-moi ça. Vous voulez apprendre comment voler avec moi? Sortez de ma maison. Je vais chercher d'autres nouveaux gars. Donne-moi aussi un peu d'argent, non? Bêtise. Regardez-moi ces gars. Hein? Quand ils cherchent de l'opportunité et tu les donnes, ils viendront pour te Papa. Voler. Vous ne pouvez pas me voler. Hein? Bonjour. Hein, Ada? Oui. Hein, bienvenue. Merci. Hein, Obi. Oui. Je pensais que tu vas à l'intérieur. Non. Hein, vous avez l'habitude de m'approcher quand vous avez senti l'odeur de l'argent. Ce n'est pas bien. Papa. Je suis dérangée par quelque chose de beaucoup plus important que ton argent. Je ne savais pas qu'il y a quelque chose de plus sérieux que mon argent. Pas de problème. Pas de problème.
Ce type n'a pas d'argent. Orieko. Tu ne l'as pas remarqué? Je préférerais plutôt traverser tout ceci et épouser ma Ngoliaku qu'aller voler pour pouvoir rassembler 5 millions de naira juste parce que je veux épouser Obiaranamba. Hein? Qu'est-ce qui est même si spécial au sujet de Obiaranamba? Juste parce qu'elle a de la hanche? Hanche inutile. Okudasasa. Oui. Mais quel homme riche aimerait faire ce genre de choses? Ils sont très fiers. Mais ils peuvent toujours te trouver quelqu'un qui sera à ton service. Et le penses-tu pas? Oui. Tu as raison, maman. Oh, oh. Je sais de quoi je parle. Nemo. Attends. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es toujours en train de nettoyer cet habit-là? Veux-tu enlever toute la couleur là? Le problème est que il y a cette tache têtue. Cette tache têtue au niveau des aisselles. Qu'est-ce que tu veux dire? Même dans les caleçons, il y a cette tache têtue que j'essaie de laver correctement. Ça provient de qui? Ce n'est que des taches têtues. Tais-toi et nettoie ça. Nettoie. Tu es vraiment un fou. Je suis Zébulo, je ne suis pas fou. Maman, s'il te plaît, mets-moi de l'air. Dans peu de temps, la nourriture sera prête. Donc, un peu de patience. Attends. Qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie de voir si la nourriture est prête afin que tu puisses manger. Je ne veux pas que tu aies du tout faim. Avec le savon que tu as là, va laver les mains. Quitte-la vite. Oh. Ça suffit. Non, 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 ça suffit. Toujours pour m'assurer que le repas est cuit. Mami Wata, je ne sais pas si tu aimes Ogini Igbo, afin que je puisse y ajouter. Ces garçons me volent de ce qu'ils m'apportent. Ceci est censé papa, être... Papa, c'est pas pour cette raison que je suis là. C'est pas pour ça. Hein, Adama, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Le problème est que pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais du mal? Juste regarde mes amis. Regarde Kiru, Obiageli. Toutes mes amies sont déjà mariées. Je suis toujours là. Parce que mon père insiste que tout homme qui voudra m'épouser doit être en mesure de lui remettre 5 millions de naira et pas moins. Pourquoi? C'est pour ton propre bien. Je ne veux pas que tu souffres. Toutes ces filles que tu mentionnes, est-ce qu'elles sont aussi belles comme toi? Regarde toi-même. Est-ce qu'elles sont aussi des princesses et des reines de beauté comme toi? Est-ce qu'elles sont des filles de Honohu? Le Igwe est intérim de Ezeani. Hein? Né. Pense-y, non? Hein? C'est depuis quand? Je fais ça pour ton propre bien. C'est depuis quand que t'es devenu comme ça, papa? Non. Moi? Rien. C'est toi qui vas bénéficier beaucoup de choses. Premièrement. Attends. Premièrement. Je veux un homme qui a assez d'argent pour prendre soin de toi. Prendre soin de ta beauté. Prendre soin de ton intégrité. En tant que la fille de Ono, deuxièmement. Ce qu'on attend ces jours-ci, c'est qu'après avoir donné sa fille au mariage, tu vas continuer à la nourrir. Elle continuera à revenir à la maison. Hey, papa, on a faim. Moi et mes enfants. Mon mari, ses affaires ne marchent plus. Mais non, je ne veux pas ça dans ma famille. Je veux un homme qui est assez stable financièrement. Egegwe, une fondation solide financièrement. Qu'il soit financièrement stable. Aujourd'hui, demain, après-demain, afin que toi-même tu sois stable et confortable, il prendra soin de toi. Et il prendra aussi soin de ma femme et moi, quand on sera âgé. Et troisièmement... Papa, arrête. Hein? Arrête. Ça suffit, tu as beaucoup parlé. Ok, je suis déjà arrêté. Je suis déjà arrêté. Depuis que tu as commencé avec ta fichue histoire de 5 millions de naira, les gens ne m'approchent plus. Dès qu'ils me voient, ils s'enfuient. C'est mieux. Plus aucun homme ne s'approche de moi. C'est mieux. C'est mieux. Quoi? Qu'il... Oui.
C'est combien 5 millions de naira? Qu'est-ce que cela peut acheter? Est-ce que cela peut acheter une voiture de luxe? Non. Laisse tous les idiots et tous les misérables s'enfuir. Quand tu vois dans la Bible, essayons de séparer les bons des mauvais. Laisse tous les mauvais s'enfuir, nez. Hein? Tu mérites le bien et non le mal. Tu ne comprends pas? Tu mérites le bien et non le mal. Quand tous ces idiots et misérables vont s'enfuir, seuls les hommes capables. Les hommes capables viendront. Et en ce moment, je vais vérifier et examiner le meilleur parmi eux. Avec beaucoup de respect, papa. Je te parle et tu me parles du respect. Hein? Je t'écoute. Non, non. Sans te manquer du respect. Je t'écoute. Je sais que tu es vieux. Je suis ton père. Mais est-ce que tu connais Oyo? Mais tu me parles de quoi même? Tu me parles d'Oyo? L'état non, d'Oyo? Non, c'est pas de cet Oyo que je parle. Hein? Oyo dans notre langue. O-Y-O. Ça veut dire à ta manière. C'est toi seul qui sais ce que tu dis. Papa, tu fais les choses à ta manière. Tu parles de Oyo? Parce que je veux me marier à Ezebulo. Je suis très amoureuse de lui. Hey, regardez-moi ça. De quoi elle parle même? On parle d'argent, tu me parles d'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, mon œil. Amour. C'est quoi l'amour? On parle de l'argent, tu me parles de l'amour. Attends. As-tu dit Ezebulo? Willo. Willo. Ezebulo. Non, Willo. Il viendra dans ma maison si pour t'épouser. Qu'il vienne. Ce n'est pas via le portail qu'il va entrer. Qu'il vienne. Papa, il va venir. Je vais tirer sur lui. Je vais tirer sur son pied. Il va quitter cet endroit infirme. Je vais l'estropier pour toujours. Je vais l'arroser de balles. Ouais, gogo, comment ça? L'estropier. Si tu le fais, on va t'arrêter. Je vais l'estropier pour toujours. Tu seras arrêté. La police va t'arrêter. Je vais l'estropier. Tu ne sais rien à propos de l'amour. En fait, il est venu chez moi pour voler. Je vais tirer sur lui. On parle de l'argent, elle me parle de l'amour. Voyez-moi cet homme. Tu devais t'estimer heureux parce que ta fille est tombée amoureuse. C'est quoi un mariage sans amour? C'est l'amour qui vient en avant. Je ne veux pas être ça, papa. Je ne suis pas d'accord avec toi, papa. C'est quoi ça? Mais quel genre de père es-tu? Je vais me marier avec lui. On va se marier. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Que Obilo vienne. Et je vais tirer sur lui. Terminé. Et cet amour prendra fin. Bêtise. Mais voilà ce que... Ces enfants ont coupé mon argent. Ça doit être 100 000 naira. Combien ils ont apporté même? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ezebulo, maman, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux à ma fille? Maman, tu sais que tu es déjà une personne âgée, donc tu ne peux pas comprendre. Hein? Qu'est-ce qu'un jeune homme comme moi chercherait-il en une jolie demoiselle, une mamie Wota comme ta fille? Maman, tu sais qu'il y a ce dicton qui stipule que rien ne durera jamais. Mais je veux que l'amour entre ta fille et moi soit une exception afin que ça dure à jamais. Dis-moi, comment comptes-tu prendre soin de ma fille? Ne me mens pas. Mets les os ici. Maman, ne sous-estime pas la capacité des Ezebulo. En réalité, ce que j'ai étudié à l'Institut Polytechnique, c'est la gestion et l'administration de l'affection et de l'attention. Ce n'est pas tout. J'étais tellement brillant que c'était l'année suivante que certaines unités ont été validées. Donc, prendre soin de ta fille ne sera jamais, jamais un problème à Ezebulo. Oh. Va me prendre de l'eau à boire. L'eau à boire. Alors, ma fille, à propos de ce qu'il vient de dire, c'est quoi ta décision? Ou soit, que penses-tu? La nourriture. D'abord sa maman. Voici l'eau. Moi, mamie Watam, le grec que j'ai utilisé pour préparer la soupe, je l'ai acheté auprès d'un voisin. Je ne sais pas si c'est bon. Si ce n'est pas assez bon, alors dis-moi, fais que la prochaine fois, j'aille aussi loin qu'au Bogologo pour te trouver un très bon ogiri. considérant l'arôme que tu perçois de la soupe, qu'est-ce que tu en dis?
S'il vous plaît, jeune fille. Excusez-moi. S'il vous plaît, jeune fille. C'est quoi? Hé, hey, y a quoi? Vous n'avez pas l'air heureux. Je veux dire, vous êtes trop belle pour être mécontente. Mon ami, s'il te plaît. On a toujours dit que la vie est compliquée. Mon humeur est également compliquée. Alors, du balai. S'il vous plaît, attendez un peu. Je comprends, j'essaie juste de vous connaître. Pouvons-nous aller quelque part pour parler? Copain, il a quoi? Qu'est-ce que tu fous avec elle? Hein? Tu ne la connais pas? Je la connais et je l'apprécie. Hein? Donc tu as 5 millions de naira pour te marier? Quoi? Tu as 5 millions de naira pour l'épouser. Et Diego? Que dites-vous? De quoi parlez-vous? La fille de Okarigo, Onowa Okarigo. Onowa dit que quiconque épousera sa fille doit payer 5 millions de naira comme budget de mariage. Et Diego? Mais c'est ridicule ça. Qui peut faire ça en plein 21e siècle? Apaise-toi. Onowa Okarigo le fait. Wow. Donc si tu dois avoir de l'argent. On est Diego. Donc si tu as de l'argent, tu peux avancer. Copain, partons. 5 millions de naira. Où vas-tu trouver cet argent? Il faut se mettre d'abord sur une balance. Il est amoureux de la fille de Onowu. 5 millions de budget pour épouser sa fille. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, parle-moi. C'est quoi le problème? Dis-moi. Tu sais que je suis ta mère. Vas-y, dis-moi quelque chose. Ça suffit. S'il te plaît. Maman. Ça suffit. Qu'est-ce que tu as? Maman, pourquoi ton mari me fait ça? Pourquoi? Pourquoi s'est-il décidé de faire de moi l'objet de mon gris dans ce village? Tout le monde commence à m'appeler 5 millions de naira comme budget de mariage. Pourquoi ton mari me fait ça? C'est fini. Ça suffit. C'est fini, ma chérie. Ça suffit. Nameza pata weni godo gongo. Nameza pata weni godo gongo. Et Zebura, maman. Où es-tu? Maman, je ne comprends pas cette question. Tu veux commencer une autre dispute? Tu veux commencer une autre bagarre sous ce chaud soleil? S'il te plaît, je n'ai pas le temps pour tes problèmes maintenant. Ce qu'il me faut maintenant, c'est de la nourriture. Parce que j'ai faim. Est-ce qu'il y a de la nourriture? Donc c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Tu es parti de ma maison pour aller rendre visite à Ngoliako, la fille de Odio Fele. Hein? Et ce bulot? Ça ne marchera pas. Ça ne pourra jamais marcher. Tu ferais mieux d'arrêter tout ce que tu as comme arrangement avec cette famille. Parce que cette fille n'entrera pas dans ma maison. Non, maman, je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas ce que tu fais. Laisse-moi te dire quelque chose. Hein? Tu vois ce que tu dis là? C'est en réalité la médecine après la mort. Tu sais pourquoi? J'ai déjà conclu avec les anciens. Nous irons là-bas demain matin pour une propre présentation. Pour obtenir la liste de la dot et fixer la date du mariage traditionnel. Tu mens. Pas avec moi. Tant que je vivrai. C'est pas vrai. Cette fille n'entrera pas ici. Jamais de ma vie. Elle ne mettra pas ses pieds ici. Non. Tu verras. Non, maman. Quel est ton problème, hein? Est-ce que c'est toi qui vas l'épouser? N'est-ce pas moi qui vais l'épouser? Quel est ton problème?
Afa Nanoumouane. Toi et moi, oui, toi et moi. Fais gaffe, comporte-toi grande personne. Attends. On te rend des problèmes, nous. Oui. C'est toi qui vas créer le problème dans la maison ou quoi? On est ici. Non, tu verras. Je suis avec toi ici, tu verras. Je ne sais pas ce que tu fais. Maman, fais attention. Maman, la fille là, je dois l'épouser. Maman, fais attention. Toi, maman, la fille là. Non. Non, ça doit prendre fin. Hein? Mon mari, tu peux laisser notre fille commencer à pleurer juste à cause de la façon dont tu traites ses fiancés? Pas de problème. Alors, il faut qu'elle emmène un prétendant qui apportera la chose dont je parle. Des devises étrangères. De l'argent, tu comprends, non, c'est ça? Ouais. Au cas contraire, c'est continuel. Pas d'excuses. Oui. Attends. Je veux te poser une question. Juste une question. Et je veux que tu me répondes. Et je te répondrai. Lorsque tu étais venu m'épouser, lorsque tu étais venu chez mes parents pour demander ma main en mariage, tu avais payé combien? Avais-tu donné quelque chose à cet homme-là? Réponds à ma question. Azuka. Es-tu en train de rire? Azuka. Hein? Quand je suis venu pour te marier, est-ce que tu ressemblais à ma fille? Tu veux dire quoi par là? Vas-y. Nadoum. Peux-tu dire comment j'étais? Imorokide. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as un diplôme? Hein? Est-ce que tu as un diplôme d'université comme ma fille? C'est la question que tu me poses. Est-ce que tu as même eu ton BPC? Mais j'ai géré tout cela. Maintenant, tu veux te comparer avec ma fille. Il faut faire attention. Et par ailleurs, tu ne lis pas ta Bible. Tu ne la lis pas. Dans cette Bible avec laquelle tu promènes, il est dit que les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Oui, tu ne lis pas ta Bible. C'est ça ton problème. Du genre, combien tu as payé? Combien tu as apporté dans ma maison? Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Si quelque chose arrive à ma fille, tu seras puni, je te dis. Oui, tu ne manqueras pas d'être puni. Punir. Punir. Moi. Oh non. Punir. Pas qui? Le Igwepa intérim de cette communauté. Punir. Azuka. Tu me négliges trop parce que toi et moi, nous partageons le même lit. Madame, arrête ça. Arrête ça. Tout homme qui veut épouser ma fille doit être prêt. Dans tous les cas de figure, il y a un adage qui dit Afudingpa, Afukokumia. Non. Dans ce cas, Afudingpa, Afutuntu Egoya. Tu comprends? Oui, ma fille n'est pas n'importe qui et n'importe qui viendrait ici pour dire qu'il veut l'épouser. Cette personne doit être prête. Oui. Oui. Mais est-ce que l'argent signifie tout? L'argent ne signifie rien, oh. Qui t'a menti comme ça? Hein? Oui, ça c'est la parole des pauvres. L'argent n'est pas tout, hein. Mais si on te donne un dollar, maintenant tu vas sauter. Hein? Si l'argent n'est rien, pourquoi Dieu l'a créé? Tu vois, Azuka, tu ne lis pas ta Bible. Je ne sais pas pourquoi vous avez de grosses Bibles, mais vous ne les lisez pas. La même Bible dit que l'argent fait quoi? L'argent répond à tout. Azuka, l'argent fait quoi? L'argent répond à tout. Bêtise. Même le salut qu'on disait qu'il est gratuit. Tu as besoin de l'argent pour acheter la Bible. Tu as besoin de l'argent pour acheter du chapelet. Tu as besoin de l'argent pour acheter tous ces articles de l'hôtel que ces pasteurs utilisent. Et nous demandent d'acheter. Tu vas à l'église, tu fais l'offrande et tu paies la dîme. Tout cela, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas avec de l'argent. C'est de l'herbe. Écoute-moi, je suis fatigué de ce sujet. Ne m'approche plus avec ce sujet. Ma fille n'appartient pas aux garçons de chewing-gum. Ma fille n'est pas pour ces petits anarcheurs qui se débrouillent pour acheter RS350. Non! Ma fille est pour des gens qui ont l'argent avec fondation. L'argent qui est de fondation. Quand tu vois l'argent, tu trouveras la base, d'autres bases, jusqu'en bas. Et quand tu vois le haut, ça monte. Bam! De génération en génération. Naï, qu'est-ce que tu penses? Laisse-moi aller à la réunion. Non, tu sors pas. Qu'est-ce qu'il y a? Où veux-tu aller? Nous allons finir ces problèmes maintenant même. Toi et qui? Hein? Attends, qu'est-ce avec toi? Attends, Azuka. C'est comme ta forme-ci te trompe. Ah. La forme que tu as prise grâce à mon argent et ma nourriture.
Fais attention. Tu ne pars pas d'ici. Sinon, si tu me touches encore, je vais te ramasser. Et tu vas te retrouver par terre. Ça m'est égal, papa. Non. Tu ne bouges pas d'ici. Reste là. Non, je ne pars pas d'ici. Oui. Adolphe, je venais chez toi. Ma potentielle belle-sœur, j'espère que tout va bien. Arrête-toi là. Je suis venue t'avertir au sujet de ta fille. Vous ferez mieux de rester loin de mon fils. Parce que mon fils ne peut pas épouser une fille irresponsable comme ta fille. Tu es une folle. Une vraie folle. Tu n'es pas reconnaissante du fait que j'ai accepté ton misérable fils pour qu'il vienne épouser ma jolie fille. La plus jolie de toutes les filles de cette communauté. Et par-dessus tout, il n'est même pas présentable. Et tu oses me parler. Hein? Adolphe, Adolphe, écoute-moi. Si je vois une personne de votre famille autour de mon fils, cette personne-là va regretter sa vie. Hé! Hey, tu l'as fait tant. Oh, toi? Tu as osé me toucher? Est-ce que je t'ai bien vu me pousser? Est-ce que c'est vrai que tu viens de me pousser? Oui, j'étais touchée. Dis-moi, est-ce que c'est bien que tu viens de faire ça? Tu ne me feras rien. Attends, tu vas voir. Tu verras où je suis. Maman, tu vois ce que tu as causé? Tu vois ce que tu fais, je n'aime pas ce que tu fais. Maman, laisse-moi te demander. Pourquoi tu allais te battre avec une femme innocente qui ne t'a rien fait? Hein? N'est-ce pas moi qui vais épouser sa fille? Hein, maman? Ezebilo. Maman. Cette famille n'est pas bonne pour toi. Cette fille est très cupide. C'est pourquoi les hommes ne viennent pas demander sa main en mariage. Maman. Maman, je veux te poser une question. Je suis ton enfant unique. Est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Maman, si tu m'aimes, tu dois aimer la femme que j'aime. Tu dois aimer Ngoliaku. Ngoliaku est celle que j'aime. Ngoliaku est celle que je veux passer le reste de ma vie avec. C'est elle que je veux épouser. Ngoliaku est bien meilleure qu'Obiranama. Ouais. N'y as-tu jamais pensé? Ne sais-tu pas que si j'épouse Obiranama, ça signifie invariablement que je passerai le reste de ma vie en dette? Ezebilo, Obiranama est 100 fois meilleur que Ngoliaku. Ressaisis-toi. Sais-tu que si nous vendons la seule parcelle de terrain que nous avons, tu ne pourras même pas rassembler jusqu'à 500 000 naira? Et les parents de Biaranama demandent jusqu'à 5 millions de naira pour la dot. Où est-ce que tu veux que je trouve cette somme d'argent? Ezebilo. Maman. Trouve-toi une autre femme. Elles sont la plaine dans notre communauté. Même Ijoma est meilleure que Ngoliaku. Non, maman, je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas ce que tu es en train de dire. Je suis ton enfant unique. Veux-tu que je meure? Non, mon fils. Veux-tu que je meure? Tu vivras. Ne sais-tu pas qu'Ijoma est une fille de mœurs légères et très dissolue, que l'épouser signifie reposer en paix pour moi? Veux-tu que je meure prématurément? Non. Non, maman, Ndo. Désolée, maman, Ndo. Maman, désolée. Désolée, maman, Ndo. Non. Maman, désolée, Ndo. Donc, tu ramènes la taille d'une princesse? Adora! Oui, oh ma chérie. Adora! Heureusement que vous êtes là toutes deux. Pouvez-vous nous expliquer maintenant pourquoi vous courez derrière Chidebe et Ukanume? Attends. C'est quel genre de question comme ça? Êtes-vous leur gardienne? Donc, vous ne savez pas que ces gars sont les nôtres
et qu'ils sont faits uniquement pour nous? Hey! Avez-vous écrit vos noms sur leur front? Espèce de prophéteuse. Quoi? Donc vous pensez que vous pouvez la voir? Donc lorsque Onou deviendra roi et sa fille deviendra princesse, et vous, vous serez des servantes. Hein? Tu viens de te référer à nous comme de profiteuses? Vous te l'avez bien entendu. Hein? Non. 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 Je vais te tuer! Je vais te tuer! Ateni, godogbo. Ateni, godogbo. Na meza, batamen, godogbo. Ateni, godogbo. Maman. Ezebilo. Maman. 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 S'il te plaît, rejette toutes mes noires qui te poussent à agir ainsi. Tu ne pars plus à ton shop. Ta femme, autour de qui tu restes à tout moment, ne montre aucun signe de grossesse. Maman, c'est une chose de cœur. Tu vois, je ne pense pas que tu l'as compris. Tu sais que ma femme est une Agbanchala, non? Agbanchala, elle est inoxydable. Et elle ne veut pas du tout vieillir. Et moi-même, je soutiens ça. Ma femme dit que si elle tombait enceinte et commençait à porter d'enfants, ça allait la rendre vieille et vilaine. Et tu sais que ça, c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Donc moi-même, je la soutiens. Je veux qu'elle demeure Agbanchala, inoxydable. Pour toujours. Écoute ça. De ces faits, dis-moi, quelle sera son utilité, étant comme ma belle-fille? Maman, tu vois, il y a cette chose que tu fais qui ne me met pas à l'aise et que je ne comprends pas. Ngouliakou est ma femme. Oh. J'espère que tu le sais. Je sais. Je ne me plains pas. Toute décision qu'elle prend, hein, ça me va. Tout ce que Ngouliakou fait, ça me va. Je l'aime comme ça. Je ne veux pas qu'elle vieillisse du tout. Je suis à l'aise avec ça. Donc, tu n'as pas à prendre du panadol ou du paracétamol pour mes maux de tête. Tu comprends, maman? S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux pas que tu me bloques le passage. Ma femme est à l'intérieur. Je veux aller la baigner. Pardon. Je n'aime pas la faire attendre. S'il te plaît. Donc, laisse-moi passer. Non, non. Non. Arukwakwa. Maman, Arukwakwa, laisse-moi passer, s'il te plaît. Onokoya. Arukwakwa. Onokoya. Non. Toi, cette femme. Toi, cette femme, bien Arukwakwa. Cède-moi le passage, s'il te plaît. Tu n'entras pas ici. Laisse-moi. Maman. Tu n'entras pas ici. Maman! Tu n'es plus normal. Oh. Non, toi cette femme! Ressaisis-toi, tu n'es plus normal. Cède-moi le passage, s'il te plaît. Je t'aurais averti. Je suis ta mère. Maman! Refais-toi, oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Méfie-toi, toi cette femme. Mombi, ne sois pas fâché. S'il te plaît, j'arrive. Odogu Kariro, Odogu. Odogu Kariro, Odogu. Mobo. Boss des boss. Mobo. Ah, comment allez-vous les gars? On va bien. Très bien. Voilà, j'ai acheté des habits pour Obiaranama. Je me dirigeais actuellement vers chez vous pour voir si je pouvais lui donner cela. J'espère qu'elle aimera ça. Ah. Comment pourrais-tu acheter des habits à notre sœur? Hein? Tu ne connais même pas sa mesure. Tu vas au marché et commencer à acheter des habits pour elle. Tu aurais dû nous donner l'argent et nous irons acheter la meilleure mesure et la meilleure qualité pour elle. Regarde ce que tu as acheté. Mon frère, qu'est-ce que tu ne comprends même pas? Bien, puisque tu as acheté les vêtements, on va lui donner, mais prochainement. Sur notre conseil, ne nous néglige pas. Notre père sera bientôt roi et comme prince, nous méritons assez de... On te dit quelque chose et tu vas faire autre chose, hein? Oh, je vois, ce n'était pas pour vous négliger les gars. J'ai juste fait ce que je pouvais pour surprendre ma femme, c'est tout, rien de plus. Le truc, c'est qu'il n'y a pas le temps. Hein?
ça ne serait pas le bon moment pour vous de faire quelque chose pour moi? Hein? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je dois rentrer. Ah ok, pas de problème. Je vais d'ailleurs te dire la dernière des choses. Pour convaincre l'esprit de notre père, afin qu'il te considère qu'il baisse le prix. Tu l'as déjà dit ça, hein? Tu l'as déjà dit. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. On dirait que tu es vraiment agité, hein? Mais calme-toi, hein? Ça va te coûter juste un peu d'argent, un peu d'argent. Ok, d'accord, je compte sur vous. Tu comprends, non? Bon, d'accord, ne me décevez pas, je compte vraiment sur vous, ok? On a acheté ça pour vous les filles, oui, hein? Vous allez beaucoup... Avec nous, l'argent, ce n'est pas le problème. Prenez ça, non? Prenez ça. Prenez ça et acceptez-nous. Commençons à prendre le bon côté de la vie. Toi, tu prends un et tu lui donnes l'autre. Faut pas se battre pour ça. On a... On vous apportera encore plus. Merci, c'est plus joli. Ne vous en faites pas. C'est ça, c'est ça. Il faut nous accepter. Tout ce que vous voulez. Hein? Nous sommes prêts à vous les offrir. Adora. Est-ce que vous venez de leur acheter les habits? Les amis. Oh, on n'a rien acheté, on ne sait même pas de quoi tu parles. Quoi? Allez, mais... Donne-moi ça. Je vais te tuer. Donne-moi ça. Maître, ce n'est pas à vous. Ma fille. Allez, ça va. Arrête de pleurer. Inogo, s'il te plaît, Biko. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour empêcher Ezebulo à épouser cette fille. Mais il a tellement insisté. D'ailleurs, s'il ne l'avait pas épousée, ce serait toi qu'il allait épouser. Oui, c'est parce que ton père nous avait contenu de payer 5 millions de naira juste pour ta dot. Mais maman, j'aime Ezebulo. Comment a-t-il pu me faire ça? Pourquoi m'a-t-il fait ça? Pourquoi? Mais il t'aime aussi. S'il m'aimait, il allait m'attendre. Il l'aimait plus. Il l'aimait plus. Il aurait dû parler. C'est bien ça, l'amour. Je ne sais plus quoi dire encore. S'il te plaît, prends bien soin de toi. Fais ta vie. Trouve-toi un autre homme qui sera en mesure de payer 5 millions de naira que ton père a demandé comme prix de ta dot. Nous n'avons pas où trouver cette somme d'argent aussi énorme. Biko. Calme-toi, hein? Ça va aller. Ça ira. Maman, tu t'en vas? Je ne sais plus quoi dire, ma fille. Pas la tête. Comment peux-tu mettre fin à ta relation avec Obi et te mettre avec Ngoli? Les routes peuvent être différentes, mais la destination demeure la même. Quel est ton problème? De quelle destination parles-tu? L'objectif est de se marier et demeurer marié. Je me suis joyeusement marié à Ngoliako. J'aime Ngoliako et Ngoliako même. Quel est ton problème? Non, hein? Que veut dire tout ceci? Elle te traumatise. Tu dois la laisser. C'est un tourment. C'est un tourment. Pourquoi tu te mêles dans les affaires d'autrui? Quel est ton problème, hein? Non, toi, cette fille. Laisse-moi te prévenir. Occupe-toi de tes affaires. Toi, ce sac de sable. Viens. Toi, ce sac de sable. Fais beaucoup attention. Éloigne-toi de ma femme. Éloigne-toi de mon mariage. Fais attention. Toi, ce sac de sable. Regarde-toi. Non. Regardez ce sac de sable qui se mêle dans les affaires d'autrui. Si tu me vois encore et tu me dis ça, non, sac de ciment. Regarde-toi, est-ce que c'est ton tourment? Non, fais attention. Non, non, hein.
Mais qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi je ne suis pas allée droit au but et lui dire que je l'aime? Ah, j'ai vraiment fouté. Chérie, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il, ma belle? Parle-moi, pourquoi tu pleures? Est-ce que cela me concerne, moi? Chérie, je fais tout ce que je peux pour venir te voir. Mais tes parents continuent de me refuser l'accès. Hein? Ils ont dit jusqu'à ce que je vais payer la dot. Et c'est la seule façon pour moi de pouvoir te voir et être avec toi. Ce n'est pas de ma faute. Parle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de pleurer. Allez, Obiranama, regarde-moi. Allez, qu'y a-t-il? Et qu'est-ce que tu fous là? Tu veux séduire ma soeur? Non, mais c'est quoi ce bordel, hein? J'ai trouvé ta soeur ici en train de pleurer et j'essaie de découvrir pourquoi elle le faisait. Étant qui alors? Étant babysitter ou quoi? J'ai vu comment tu essaies de séduire ma soeur. C'est comme ça que les blancs vous ont appris. Tu es sans manière. C'est quoi ton problème, Chinebe? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce que c'est? Mon problème est que j'ai trouvé cet homme en train de te caresser en cours de route. C'est tout mon problème. Écoute, Mike, tu vois ton fiancé là est annulé pour tentative de nous ravir notre sœur. Attends un peu, pardon de demander. Ton frère là, souvent il fume, hein? Quelquefois. Je confirme maintenant ses réactions parce que là ça va pas. Est-ce que tu es normal, toi? Je t'ai dit que j'ai trouvé ta sœur en train de pleurer et j'essayais de comprendre, mais dis-moi, est-ce que tu me criais dessus, là? Papa doit apprendre ça. Papa doit apprendre ça. Papa doit apprendre ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que je sais est que cet homme n'a pas de mauvaises intentions. Pas du tout. Pour ton information, il n'a pas pu payer ta dot et il veut te prendre par forfait. Je ne peux pas le lui permettre. De quel côté es-tu, Chinebe? Je suis du côté de la vérité, équité, intégrité, ainsi que je l'ai toujours dit. À tout moment. Ah, cher, tu es de retour? Bienvenue. À quoi nommer? Je ne suis pas revenu. D'où est-ce que tu viens? Ah ah, de l'intérieur non, je viens de l'intérieur. Je sais que c'est l'intérieur, je sais qu'il s'agit très bien de la maison, mais d'où est-ce que tu viens? Oh, Idioma ici est en visite inoffensive. Et je suis en train de l'escorter, rien de plus, rien de moins. Sinon, il n'y a rien, ce n'est pas ce que... Et tu transpires? Oh, c'est la nature. Tu sais que la nature est chaude. Et Marco aussi. Marco aussi, tout endroit est chaud. Tu sais que tout endroit est chaud. Laissez-moi l'accompagner. J'arrive. Sœur, prépare quelque chose, hein. J'arrive. Elle ne ressemble pas à une personne qui est venue en visite amicale. Elle est venue en visite amicale, non? Non, regarde-la. Non, elle n'arrive même pas à marcher normalement. Tini, attends. Tini, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tini, je te parle, qu'est-ce que tu as fait? Hein, Tini, d'où? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Que veux-tu dire par qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai vu essayant de l'embrasser. Ou ne comprends-tu pas un autre homme avec notre sœur? Je ne faisais que la protéger. Maintenant, regarde le problème que ton histoire de protection nous a causé. Maintenant, il ne veut plus faire quoi que ce soit avec nous. Même notre sœur Obianama. Cela pourrait seulement signifier que notre source de revenus est close. Si c'était vraiment rapproché comme je le suppose, il aurait pu la manipuler et l'éloigner de nous. Et ça aurait été pire. Écoute. J'ai une idée. Essayons de lui introduire Idioma. Elle peut nous aider à être proche encore de lui. As-tu perdu la tête? Tu ne peux pas risquer de lui amener Idioma. Il risque de l'éloigner de nous. Écoute, laisse ça pour moi. Allons dépenser une part de l'argent que Idioma nous a apporté. Comme tu n'es pas intéressé par mon idée, je sais comment tu seras
intéressé par l'argent. Je vous en prie, accordez-moi une autre chance. Je vais payer les taxes. Les gars ont scellé mon shop. Et je n'ai aucun autre endroit pour trouver l'argent et nourrir mes enfants. Madame Ifoma Okazi, s'il te plaît, je ne gère pas une organisation de charité dans cette maison. Tu m'as entendu? Ces gars ont fermé ta boutique parce que tu ne pourrais pas payer le loyer. Et d'autres petites indemnités que tes camarades femmes payent. Regarde leur somme. Tes camarades femmes. Hein? Ces garçons font le travail pour lequel ils sont payés. Donc va payer ton loyer et viens prendre ta clé. Ça y est ici, dans ma maison. Simple. Je vous en prie, Ono. Je suis une pauvre veuve. Ayez pitié de moi. Je ne m'appelle pas pitié. Madame Ifoma, je m'appelle Okadigbo. Ono Okadigbo, le premier ministre traditionnel de Eziani. Et par la grâce de Dieu, le Igwe de cette communauté, le présumé Igwe, tu ferais mieux d'être dans mon livre de record. Paie ton loyer ou sors d'ici. Quitte ma maison. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Quelle est cette histoire? Je suis veuve, gna gna gna. Tu es la seule veuve. Hein? Est-ce que j'ai tué ton mari? Bêtise. Pourquoi n'essaies-tu pas de transmettre la joie à ton peuple? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? De quoi parles-tu, madame? Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, reste loin de mes affaires. Occupe-toi des tiennes. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce que c'est? Je m'occupe de mes affaires? Oui. Mais t'inquiète, dans peu de temps, nous aurons un autre roi. Et tu n'auras pas de choix. Tu vas donc remettre tout ce que tu as pris de tous ces gens-là. Tu le fais pleurer à tout moment. Attends, tu vas voir. Rien ne reste pour toujours. Exactement. Rien ne dure éternellement. Oui. Alors, comme maintenant, ma fontaine coule, laisse-moi en profiter. Parce que rien ne dure éternellement, selon toi. Et par ailleurs, s'il y aura une répercussion à cause de cet argent, tu prendras une grande part de responsabilité. Oui. Parce que c'est l'argent que je collecte de ces gens que j'utilise pour t'entretenir. Donc, c'est ce que les Blancs appellent paradoxe. Tu défends les intérêts de ces femmes, alors que l'argent que je collecte d'elles est ce que j'utilise pour t'entretenir. C'est pourquoi tu as le double de la forme des autres femmes. Il n'y a pas de problème. Et tu te plains. Très bientôt, tu me donneras raison. Je t'ai entendu. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et tu ne seras pas toujours aussi grosse et grasse. Quand l'agent cessera de rentrer, tu redeviendras mince comme comment tu étais quand j'étais épousée. Non, 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 non. Akodina Adja. L'argent que j'utilise pour t'entretenir, tu te plains pour ça. Quel est ce paradoxe? Vraiment, c'est ce que les Blancs appellent paradoxe. Un homme insensé. Comment peux-tu aller puiser de l'eau pour ta femme quand elle est à la maison, ne faisant rien du tout? Ezebilo, attends. Est-ce qu'elle est ta femme ou bien tu es sa femme? C'est lui la femme. S'il te plaît, fais-moi comprendre. Je ne sais pas pourquoi vous prenez du panadol pour mes maux de tête. Que veut dire tout ceci? Hein? Est-ce que ça vous concerne? Ça ne vous concerne pas. La vérité est que j'aime ma femme. Ma femme aussi m'aime et nous sommes heureux dans ce mariage. Donc, ça ne vous dérange pas? Tais-toi, espèce d'insensé. Tu sais quoi? Tu es lâche. Tu te tues pour rien. Je ne te blâme pas. Tu n'as pas d'argent. C'est pourquoi tu ne peux pas approcher ma soeur. Dieu merci. Parce que tu n'as pas d'argent. Juste, va te souffrir là-bas. En disant que vous vous aimez. Non, la vérité est que je n'ai pas le temps pour échanger des mots avec des gamins comme vous qui apprennent toujours à parler en énigme. Vous savez qui vous êtes? Vous êtes des charlatans. Petit garçon. Regarde-moi ça. Non, regarde-moi ça. Allez, tu sais quoi? Allons-y. C'est cette fille qui va tuer ce gars. Allons-y. C'est cette fille qui va... Oh. Et c'est Bilo, ça va aller. Allons-y. Désolé. Je souhaite... Parfois, je souhaite qu'il comprenne. Ce gars était malade.
Regarde comment il a maigri. Regarde comment il est devenu mince. Il était plus gros que ça avant. Il puisse vraiment développer. Maintenant, il est devenu tout mince. Je trouve ça normal. Hey, désolé pour l'autre fois. Nous nous sommes bien arrangés pour que tu aies le temps de parler à notre sœur. Et ce temps ne peut pas dépasser 5 minutes. C'est 5 minutes juste. Ok, si tu le dis. Mais tu sais, tu es un homme comme moi, donc tu es censé me comprendre souvent. Je vais lui parler, elle vient. On fait maintenant. Maintenant même. Maintenant, maintenant. Oui, maintenant. Ok. Cool, mon vieux. J'attends. Let's talk inside the car. C'est une bonne chose de te voir à nouveau. Moi aussi. Je t'aime vraiment. Ta présence me rend vraiment heureux. J'espère juste que ton père pourra voir combien je t'aime pour nous donner une chance à nous deux. Qu'est-ce qui se passe là? Il veut te demander quelque chose? Non. Ok. Alors, je veux juste qu'on puisse... Mon frère, est-ce qu'on est ensemble là? Oui, oui, pas de problème, pas de problème. Es-tu sûr que nous sommes ensemble? Mais si vraiment on est ensemble, ferme la porte, non? Il dit qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y a un problème. Mais mon frère, c'est quoi le bail? Tu m'embêtes là, c'est quoi? Ok, pas grave, elle descend alors. Mais mon cher, dis-moi un peu, c'est quoi? Hein, quoi? Y a pas de problème, mais tu me ravis la fille comme ça. Et là, tu me parles de trafic. Je ne comprends vraiment pas, là. Mais comment peux-tu parler de trafic? Mais qu'est-ce que j'ai fait au juste? Hein? Mais... Les 5 minutes sont encore en cours. Mon amour? Mais c'est quoi cette façon de compter? Tu me donnes 5 minutes pour parler à ta sœur et voilà déjà qu'une minute après, tu viens la récupérer. Pourquoi tu te ligues avec papa pour détruire ma vie? Pourquoi? Ce jeune homme veut faire de moi sa femme. Tu étais censé me soutenir, moi et ta sœur. Je te soutiens, mais il doit faire les choses de manière appropriée. Mmh. Oui. Et qu'est-ce qu'il devait faire de manière appropriée selon toi? Vous lui avez facturé 5 millions de naira comme dot. Toute personne qui ne peut pas payer la somme d'argent que j'ai fixée comme ta dot ne mérite pas d'être mon beau. Simple. As-tu entendu ça? Hein? C'est comme tu ne sais pas qui tu es.
tu ne sais pas la fille de qui tu es. La fille de Onoo, de cette communauté. Asanwa Obiranama. Hein? Mais pourquoi ça? Hein? Bonjour, monsieur. C'est qui ça? Qu'est-ce qui est bon de cette journée? Viens un peu là. Hein? J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose, mais laisse-moi juste... Viens, viens. Attends d'abord, non? Quelque chose de très important. Obiyanama. Mais attends un peu, tu... Obiyanama. Attends juste une minute. Mais quelle est cette chose importante, vraiment? Dis-moi. Reviens ici. Mais c'est quoi cette chose importante, mon cher? Je viens de là, vraiment. Oui, crois-moi. C'est quoi ce bordel? Allons-y. C'est très important. Juste crois-moi. Reste à mes côtés. Je suis ton père. On a quoi faire avec joli garçon sans argent? Hein? Joli garçon sans argent. Je sens qu'il y a quelque chose de louche avec ces garçons-là. Je dois établir mon propre moyen de contact personnel avec Obiranama. Je dois trouver un moyen de me sortir de cette merde dans laquelle je me suis foutu moi-même. Obiyanama, tu ne dors pas? Qu'est-ce que tu fais dehors? Toi, qu'est-ce que tu fais dehors? Je suis venu me soulager. Moi aussi, je suis venu me soulager. Et pourquoi tu n'es pas heureuse? Mêle-toi de tes affaires. Chinebe, mêle-toi de tes affaires. D'accord. Ok. Venu faire ici? Bien, la vérité c'est que je me sentais pas bien, alors je voulais te voir avant de pouvoir dormir. Tu as accepté de prendre les risques à cette heure de la nuit? Ça ne me dérange pas. Pour toi, je peux prendre n'importe quel risque. La vérité c'est que je t'aime. Je t'aime sincèrement. Je veux passer le restant de mes jours avec toi. Je veux dire, si ce n'était pas pour les 5 millions que m'a demandé ton père, je serais déjà marié avec toi. Je ne sais quoi faire.
En tout cas, je ne sais vraiment quoi faire. Chérie, je crois que c'est entre tes mains. Ok? Je crois qu'on peut le faire ensemble. Nous devons nous battre ensemble. Comment peux-tu dire que c'est moi qui dois faire marcher les choses? Je veux dire, comment je suis censé les faire? Parce que tu es une adulte, ok? Il y a quelque chose qui t'empêche de prendre tes propres décisions. Je sens vraiment que tu es emprisonné. Hey! S'il te plaît. Dis-moi pourquoi je ne dois pas couper. Je suis désolé. Excusez-moi, monsieur, pardon. Pardon, monsieur, je ne le ferai plus. Oui, d'accord, d'accord, je vais à genoux, voilà. Monsieur, excusez-nous, pardon. Non, non, monsieur, pardon. Non, 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 c'est pas ça du tout. Ah, où est-il? Où est-il? Papa. Qui tu appelles, papa? Papa. Qui tu appelles, papa? Papa. Mon joli bébé. Écoute, Tinebe, laisse-moi vite faire mon tour, hein, dans quelques minutes. Viens voir cette fille. Viens voir comment elle est potelée. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est ton tour. Je suis en congé. Je suis en pause. De quel congé parles-tu? Non, c'est ton tour. Je te dis que je suis en congé. Écoute, quand tu vois tout le paquet, tu oublieras cette histoire de congé. Tu devrais... Tiens, non. Gagnons du temps. Je suis en congé. Va faire quelque chose, mon frère. De quel congé parles-tu? Je viens de te dire que je suis en congé. Hein? Ok, d'accord. Moi, c'est ça. Laisse-moi m'arranger. Même à la prochaine. Regarde, regarde. Écoute, hein, la prochaine fois, je vais prendre ma part et prendre sa part aussi, comme il le veut plus faire. Ça t'a fait du bien, je vois. J'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, ça. Allez, vas-y, 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 vas-y. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il fallait voir. Il fallait voir ce que mes yeux ont vu. Je n'ai pas envie de voir. Frère, on dit quoi? Igor Bilo, tu vas nous payer ta taxe de sécurité. Et je vais avancer pour voir les autres. Tu sais très bien que je ne tardais pas de payer. Je suis toujours le premier à payer dans ce village. Tu comprends? Mais ce qui est là-bas est que je n'ai pas assez d'argent sur moi maintenant. Le peu d'argent que j'avais gagné, je l'ai utilisé pour acheter les outils de maquillage pour ma jolie femme, Ngouliakou. Non, Ezebilo, ne me dis pas ça, je ne veux pas être en colère. Ne me dis pas ça. Si tu achètes des outils de maquillage pour ta femme, est-ce que ça me concerne? Attends. On y est bourré, ce n'est pas allé jusque-là. C'est de Ngouliakou que nous parlons. Ma jolie femme. Ngouliakou sur mes pieds. Attends. Que me dit tout ceci? Tu parles de la taxe du mois dernier. Pour deux mois, le mois dernier et ce mois-ci, pourquoi tu me fais ça? En réalité, ce n'est pas allé jusqu'au point de crier dans mon atelier. Ce qui va se passer, c'est que tu me donneras un peu de temps. Hein? L'argent que je vais gagner dans ce mois, il y a un autre outil de maquillage dont a fait mention ma femme, qu'elle a dit qu'elle voulait acheter. Donc c'est avec cet argent que je vais le lui acheter. Ce qui veut dire que c'est le mois prochain, c'est-à-dire c'est dans deux mois que je paierai la taxe. Tu as compris? C'est ce que je vais faire. C'est simple, non, mon gars? Tu sais ce qui va se passer maintenant? Je vais te montrer maintenant, tu vas voir. Un peu de patience, selon mon gars. Non. Tu as payé la tasse, si tu fais la tasse, tu viendras prendre ta chaise. Enlève ta main. Aller rendre visite à cette fille à cette heure de la nuit était très risqué. Maman, quand ça concerne l'amour, rien n'est risqué du tout. Au contraire, perdre mon job en Amérique est plus risqué. Je partage ta peine, mon fils. Mais tu pouvais aussi faire autrement. Hein? Maman, j'ai juste fait ce que je pouvais faire.
Laisse-moi aller me rafraîchir. Je n'ai pas dit que tu ne m'aimes pas. Mais comment dis-tu que tout dépend de moi? Comment? Si nous quittions définitivement ce village pour aller en ville, ou mieux encore aller à l'étranger, on pourra se marier là-bas. Pas ça. En tout cas, pas ça. Mon père ne l'acceptera jamais. La tradition de mon père l'interdit. S'il te plaît, n'y pense pas. Et la tradition de ton père accepte de payer 5 millions de naira pour ta dot? Non, c'est pas ce que je voulais. Alors qu'est-ce que tu essaies de dire? Je te dis que la meilleure des choses à faire pour nous, c'est de voyager pour en finir avec ça. Tu sais quoi? C'est ok, je ne vais plus te forcer. Mike. Revois tes plans avec tes frères de merde. Mike, je vois que tu ne me comprends pas. Ne pas comprendre Mike. Qui? S'il te plaît, laisse ma voiture. Mike. Mike. Waouh, c'est le gendarme que je cherche. La pauvreté va fuir loin de moi. Oh, Bananama. Tu as du courage, oh. Je me demande pourquoi est-ce que tu penses qu'une pauvre fille comme toi peut avoir cet homme alors que moi je suis dans ce village. En tout cas, il faut réfléchir. Prends ton temps. Je n'ai pas ton temps. En tout cas, désolé. Où penses-tu aller? Hmm? Tu veux vraiment me tourner le dos? Tu n'as même pas peur. Même pas un tout petit peu. Le message est très clair. Reste loin de cet homme jusqu'à ce que je vais finir ce que j'ai à faire avec lui. Après, tu vas la voir. Entendu? Oh, tu te moques de moi alors? Oh, donc tu ris. Oh, Birana, en tout cas, tu auras tout vu. Tu es une vraie chienne. Et ce brûlot n'est plus bon pour toi. Donc tu veux encore celui-ci? Mais ce n'est pas ton affaire. Ce que je vais faire avec ces messieurs. Mais pour Ezebilo, je suis en train de les sucer comme un orange. Et si j'ai fini de les sucer, je vais les jeter au lieu qui lui convient. Alors je suis là pour te dire de rester loin de celui-là. Et je ne veux plus jamais me répéter. Non, où penses-tu aller? Où penses-tu aller, dis-moi? Tu me tentes, Obiranama. Tu es vraiment en train de me tenter. Hé, c'est Bilo! Où est cet homme stupide? Agbanchalam. Où es-tu? Allez, sors d'ici! Attends, sors d'ici! As-tu vu ce que tu as fait? Qui t'a fait ça? As-tu vu ce que tu as causé? Moi seulement le nom. Qui a mis sa sale messieurs, ma Agbanchalam? Ta petite amie, Obiranama. Qui? Ma... poursuivi pour m'insulter et me dire que moi je suis arraché. Agbanchala, attends. Pour hein? Un réseau pensant raisonnable, intentionnellement mettrait sa main sur moi. Agbanchala, attends. Elle a signé sa condamnation de mort. Comment ose-t-elle porter sa sale main sur toi? Elle a touché la queue du tigre. Non, non, non. Tu es là debout en train de parler. Tu es vraiment là en train de parler. Mais hey. Prends ça. Va la tuer. Va vite. Cours vite, vas-y. Tu dois la tuer. Si tu n'arrives pas à la tuer, hein, c'est moi qui vais te tuer la nuit. Fais ça maintenant ou encore je vais t'empoisonner. Hé hey! Hé hey! Tu as mis ton dos dans l'œil du tigre. Tu vas voir. Hé hey! Non, non, non. Obim, Obim. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me veux? Obim, Omalicham, Omomasaru, je suis tellement désolé pour tout ce que je t'ai fait. S'il te plaît, du fond de ton cœur, pardonne-moi. Laisse-moi tranquille, répare chez ta femme, va chez ta femme. Obim, Obim, Omalicham,
Oh, Bim. Oh, Malicham. La prochaine fois que tu fais cette bêtise, la prochaine fois que tu touches ma femme, tu feras ce que je te ferai. Non, 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 hein. Chalam, Ogban Chalam, ya, tu me connais, non? Tu sais de quoi je suis capable, non? Ya, ha, tu sais ce que je peux faire, non? Arrête de crier, parle. Je me suis bien occupé d'elle. Je l'ai nourrie avec du sable. Et ce n'était pas tout, hein? Je l'ai déshabillée et lui ai donné 30 coups de bâton sur ses fesses nues. Ezebino. Ouais. Lorsque ça s'est déroulé, qui était présent? Ce qu'il y a là est que parce que je me concentrais à m'occuper d'elle. Je suis en train de te demander à qui je peux avoir le témoignage de ce que tu me dis maintenant. Parce que je prenais tout mon temps à m'occuper d'elle, alors j'ai oublié de regarder. Je l'ai bien battu, oh. Et au point que je n'ai pas pu identifier les visages. Ezebilo, approche-toi de moi. Dois-je m'agenouiller ou me lever? Je t'ai demandé de t'approcher. Pourquoi tu me demandes de m'approcher encore? Ezebilo, Ogbanchalam, donne-moi ton oreille. Hey. Ezebilo, écoute-moi très bien. Si seulement je découvre que tout ce que tu viens de me dire maintenant n'est sans que des mensonges, je vais te faire du mal. Je te dis que je vais vraiment t'étrangler. Allez, va me prendre de l'eau, je vais laver mes pieds. Va me prendre de l'eau, je vais laver mes pieds maintenant même. Cours vite, dépêche-toi. Adam, d'où est-ce que tu as pris cette serviette? C'est de là où je fais la lessive. Ce n'est pas sale, c'est une serviette propre. Regarde. Cette serviette est vraiment propre pour toi. C'est blanc pur. Tu as donc des yeux sales. Hein? Quitte-la avec tes mensonges, je n'ai même pas honte. Je vais la rincer encore. Agbachalam, par quel pied vais-je commencer? Fais ça doucement. Je te dis, fais ça doucement. Ne te précipite pas.